Alors, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire. L'édition de ce soir prend place à l'intérieur de la septième saison, laquelle est consacrée à des hommes et à des femmes qui ont défendu ou incarné cette valeur qui nous est chère à tous et à toutes, la solidarité. Alors, si vous suivez un peu cette série depuis ses débuts en 2015, vous avez noté que plusieurs des figures marquantes dont il a été question sont étaient d'origine modeste, mais par leur talent, leurs idées, leur, leur dynamisme, se sont hissés socialement pour devenir membres d'une élite québécoise, bien sûr, premier ministre, artiste reconnu, fondatrice de congrégations ou d'œuvres, etc. Alors la figure marquante de ce soir, c'est un homme qui est resté un homme du peuple toute sa vie, un fier cultivateur et un authentique colon de la Horace Horace Lalancette est né à Saint-Hyacinthe en 1932 et décédé à roche en 2019. Pendant à peu près un siècle, la colonisation a été un projet politique important, mais aussi, d'une certaine façon, une utopie sociale, en gros, du milieu du 19e siècle jusqu'à la crise des années 30. Évidemment, il s'agissait de retenir les Canadiens-Français pour éviter qu'ils émigrent aux États-Unis, donc stopper cette saignée démographique et occuper le territoire national. Mais pour d'autres, pour certains aussi, la colonisation, c'était une façon d'offrir une alternative, une autre option à la société qui était en train de se dessiner, une société essentiellement urbaine et anonyme, une société basée sur l'industrie, des industries et donc sur du salariat, des industries qui, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en gros, offraient souvent des salaires de misère. Horace Lalancette a cru, lui, au projet de colonisation. Il y a cru et toute sa vie, il s'est battu pour que l'Abitibi soit autre chose qu'un immense réservoir de ressources naturelles qui serait exploité par des multinationales. Il s'est battu aussi pour que l'Abitibi, et là je reprends son mot, soit un royaume, un royaume où il ferait bon vivre, un royaume à taille humaine où on pourrait élever sa famille, où on pourrait socialiser avec ses amis, où on pourrait créer d'authentiques communautés. C'est comme ça qu'il voyait le projet de l'Abitibi tel qu'on qu lui avait aussi présenté hein, dans ce grand rêve de la colonisation de l'arrière-pays. Pour nous parler de ce personnage haut en couleur, personnage qui n'avait pas la langue dans sa poche, personnage qu'on a découvert grâce au grand documentaire de Pierre Perrault durant les années 70 dans son cycle habitibien. alors nous avons invité un sociologue, hein, quelqu'un qui a une formation de sociologue et dont les premiers travaux ont porté sur l'Abitibi et la colonisation. Quelqu'un qui est devenu un animateur de la vie intellectuelle québécoise en vue, qui dirige la revue L'Action nationale et qui est directeur de l'Institut de recherche en économie contemporaine. Il me fait plaisir d'accueillir pour vous M. Robert Laplante. Bonsoir. <laughs> Bonjour, Bonsoir. bienvenue. Plaisir. Alors, euh, écoutez, euh, moi, quand j'avais vu la première fois euh, votre livre, Guyenne, euh, vous avez publié ça dans quelle année euh, Guyenne, qui est une petite ville. Hein? Euh, C'est un village, un village? Euh, qui actuellement doit compter environ 190 personnes, euh, qui, euh, à son apogée, en a eu 670 habitants. Alors, moi, j'ai pris pour acquis village. que vous étiez originaire de l'Abitibi. Vous m'avez dit tout à l'heure, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis originaire de Drummondville, un fils d'ouvrier de la Dominion Textile, mais je me suis pris de passion pour l'Abitibi euh, très tôt dans mes études, d'abord en m'intéressant aux, aux Anishinaabe, euh, aux Indiens qu'à l'époque on appelait les Algonquins. L'appellation est encore en usage. Et de fil en aiguille, euh, après avoir travaillé avec des groupes Anishinaabe, euh, sur ce qui a présider à la sédentarisation de ces groupes euh, autochtones-là, ben, les facteurs qui étaient déterminants, c'était d'abord la percée du transcontinental, ensuite l'industrie forestière, et de fil en aiguille, je me suis donc beaucoup intéressé à l'économie politique de la forêt et de là à la présence… Euh, des colons, puisque le transcontinental a permis l'ouverture de l'Abitibi en 1912 et a euh, facilité l'occupation de ce territoire. L'Abitibi est devenu, euh, de 1912 à 1938-39 à peu près, le, le lieu du dernier grand projet d'expansion territoriale. Mmh. Alors, c'est dans cette perspective-là que j'ai regardé et tenté de comprendre un peu la vie des colons et de ce que les projets qu'ils ont conduits euh, signifiaient pour eux, mmh. ce qu'ils signifiaient pour l'histoire du Québec et ce qui aurait pu signifier aussi pour son avenir si tant est que la part utopique de leurs projets s'était réalisée. Et je pense que d'ailleurs, le village que vous avez étudié, avait justement cette part d'utopie. Peut-être nous en dire un mot. C oui. Assez incroyable. Euh, tout à fait. C'est une, euh, c'est une chose à laquelle euh, on pense pas spontanément. C'est un village qui est né avec un projet explicite d'expérimentation sociale et euh, sous Duplessis, un projet qui visait à constituer une colonie entièrement coopérative. Toutes les institutions de la paroisse étaient euh, des coopératives de la consommation à la caisse populaire, euh, au syndicat de travailleurs. Et euh, ce projet-là euh, avait euh, essentiellement été l'apogée du courant, pourrait-on dire, progressiste qui, à l'intérieur du mouvement de colonisation, euh, avait poussé le plus loin euh, l'ambition de faire de la colonisation un instrument d'émancipation. La recherche d'un autre modèle de développement. Alors, moi, j'ai passé deux années à Rimouski, à l'université du Québec à Rimouski. Il y avait des chercheurs en développement régional. C'est un, une branche, on va dire, de la sociologie. Mais on a l'impression qu'en dehors, là, de, 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 ce, de ce lieu de recherche. Euh, les régions plus périphériques n'intéressent pas beaucoup les, les grands départements les, euh, et même l'attention médiatique. Hein. C'est comme si la périphérie, avez-vous cette impression Ah oui, oui, ce n'est pas juste une impression, ça se mesure. Et il y a ouais. beaucoup moins de travaux qu'il y en avait. Euh, il se donne beaucoup moins de cours sur ces enjeux-là qu'il s'en donnait. Et euh, l'intérêt, je dirais, euh, médiatique et euh, du, de ceux... Qui fabrique le débat public est euh, nettement mal à l'aise devant ces réalités-là qui sont traitées euh, souvent comme des anachronismes, euh, des résidus historiques à toutes fins utiles, oui. euh, particulièrement pour les petits villages de ces dernières vagues de colonisation. Et plus globalement, dans le champ politique, on sait maintenant que euh, c'est devenu euh, un. Un, un thème favori de ceux qui dénigrent le Québec, euh, laissant entendre qu'en en dehors de Montréal, c'est une mentalité plus ou moins arriérée et que plus on va vers l'arrière-pays, pire c'est. Alors évidemment, euh, ça a beaucoup euh, teinté le rapport que beaucoup de chercheurs et beaucoup de jeunes hein, et de jeunes chercheurs ont entretenu avec. Euh, avec ces réalités-là, qui, il faut bien l'avouer, ne euh, sont pas particulièrement toujours réjouissantes, parce que le mouvement de colonisation, euh, quelle qu'ait été son ambition, ou du moins chez ses porteurs les plus progressistes, s'est néanmoins soldé par un échec. Oui. Et cet échec-là, ben, on en lit partout dans le paysage, les traces, ce sont ces villages-là qu'on désigne maintenant par une espèce d'euphémisme des... Communauté en voie de dévitalisation, c'est euh, essentiellement des formules polies pour dire que c'est devenu vraiment des lieux de misère. Ouais. Horace euh, on reste la lancette. Est-ce que c'est on l'a connu On y reviendra à, à la fin. On, on dira un mot sur Pierre Perrot. Euh, mais vous, personnellement, euh, comme vous avez fait votre terrain en Abitibi, est-ce que vous avez connu Horace Lalanci? Oui, 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 je l'ai connu, rencontré à plusieurs reprises. C'était un homme extrêmement attachant, oui. euh, une personnalité très forte, comme Pierre <laughs> Perrault euh, <laughs> a, a su le rendre. Et euh, c'est quelqu'un qui, euh, évidemment, parce qu'il était habité d'une passion absolument dévorante, pouvait aussi être très polarisant. Euh, on peut comprendre que des gens pouvaient trouver cette véhémence qu'il manifestait souvent euh, comme un peu éparante. Euh, mais c'était un homme emporté bien souvent par sa passion, mais ce n'était pas un emportement d'intolérance, c'était un emportement, je dirais, d'attachement à son projet, à son milieu et au sort des colons dont il ne s'est jamais dés désolidarisé. J'ai euh, justement en, en me préparant pour ce soir, j'ai revu donc le cycle Habite qu'on peut, on peut voir euh, gratuitement sur le site de l'ONF, et, et, et ça m'a frappé à quel point il revenait souvent sur euh, le travail de nos pères, de nos, nos oui. fait, enfin, de nos pères, parce que c'était vraiment la deuxième génération. c'était très émouvant et très émotif pour lui. Oui, et euh, c'était euh, fondé sur sa propre expérience personnelle. Ouais. Euh, son père arrive dans un, un village en émergence. Les routes ne sont pas faites, le pont n'est pas construit pour traverser la rivière. Euh, et c'est à bras d'homme qu'il faut défriffer les terres en bois de bout, ouais. c'est-à-dire euh, le faire avec des moyens qui sont… Parfaitement conforme à la condition de ceux que la colonisation mobilisait, c'est-à-dire des moyens de pauvres, de gueux, on dirait, et ça a été un travail véritablement héroïque. Horis Lalancette avait beaucoup d'admiration, évidemment, pour, pour son père et ceux qui avaient ouvert le village de Rochebeaucourt et des villages avoisinants, mais il a lui-même fait comme eux euh, en 1949. Il a 18 ans, il euh, réussit à obtenir un lot à son nom. Euh, L'histoire de la famille dit euh, que c'est euh, en plus ou moins euh, complicité avec le curé du village qu'on va lui trafiquer son âge, parce qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. Mmh. Il devient détenteur d'un billet de location pour entreprendre la construction de son royaume. Mmh. Oui. Alors justement, revenons à ses origines. Alors euh, j'ai dit euh, durant la présentation qu'il est originaire de Saint-Hyacinthe. Euh, Parlez-nous, qu'est-ce qu'on qu sait de, de, de ses origines familiales, de son milieu d'origine? Alors euh, essentiellement, euh, il est un peu, et c'est un paradoxe, il est un peu atypique par rapport aux colons moyens parce que les colons étaient massivement des ruraux. Euh, son père est à Saint-Hyacinthe, mais ça ne fait pas... Tous les Canadiens français de l'époque sont à moins d'une génération de la campagne, mais euh, son père est sans avenir dans la ville et il euh, va euh, accepter de euh, monter, comme on disait, à Rochebeaucourt, à l'initiative et à l'invitation de la Société diocésaine de colonisation. Ce sont les diocèses qui, à l'époque, sont les agences de recrutement mm -hmm. au terme d'un partenariat, on dirait aujourd'hui, avec l'État. Et les euh, cantons d'Abitibi sont répartis entre les divers diocèses. Les diocèses vont recruter dans les paroisses de euh, leur territoire des jeunes ruraux massivement. Ou des, des euh, urbains, mais de très, très récente extraction. Mais ça, mais ça ne correspond pas à ce qu'on entend ou la mémoire collective a retenu. La non. mémoire collective, c'est. C'est des, des, des citadins qu'on envoie oui. au milieu de la forêt puis qui sont complètement dépassés par oui. les événements. les interprétations marxisantes ont beaucoup contribué oui. à ça en disant « on a envoyé l'armée de réserve du prolétariat <laughs> dans les colonies ah, oui. du Témiscamingue ». Mais en fait, c'est qu'il a effectivement existé dans le mouvement de colonisation une initiative visant à désengorver les villes. Mais cette initiative-là, ce n'est pas celle de l'Église catholique de la province de Québec, ce n'est pas celle du gouvernement conservateur, c'est celle du gouvernement fédéral ouais. euh, de, qui va lancer un plan qui s'appellera euh, le plan Gordon, du nom du ministre euh, qui va le piloter. Et c'est un plan tout croche euh, organisé à la dernière minute qui est tripartite. Euh, gouvernement fédéral, gouvernement des provinces et municipalités pour son financement, et qui vise explicitement à désengorger les villes. À Ottawa, on a une peur bleue de la montée du communisme et euh, on est particulièrement soucieux de l'agitation ouvrière euh, ou citadine dans, dans les prairies. Alors, ce plan Gordon va euh, au Québec. Euh, recruter à peu près 900, 975 candidats et leurs et, et leur dépendants, bien sûr, et euh, les envoyer, euh, y a, le plus gros du compte invente était au Témiscamingue, dans des conditions effarantes, absolument. Et les témoignages de ces gens-là euh, vont marquer très profondément euh, l'opinion publique. À juste titre, d'ailleurs, mm -hmm. c'était. Euh, véritablement l'enfer. Et euh, quand ensuite on reprend en, avec l'initiative du plan Vautrin, c'est-à-dire que le gouvernement conservateur, le, le gouvernement libéral plutôt, prend l'initiative, c'est parce que dans la province de Québec, justement, euh, d'abord, on est effaré devant cet échec du gouvernement fédéral, qui comprend rien à rien, mais aussi... Euh, on est en lien avec les mouvements nationalistes et, euh, le, on dirait, l'ensemble des forces vives qui sont complètement déstabilisées par la crise de 29 et qui cherchent désespérément une voie de sortie. Et cette voie de sortie-là, euh, on va la voir dans la colonisation. Et là, à l'intérieur de cette recherche collective, parce que ça fait à peu près l'unanimité, que c'est une voie de... Euh... Oui, c'est transpartisan. Ce n'est pas seulement, les, oui. pas seulement les, les factions les plus conservatrices, euh, proches, mettons, non. des conservateurs ou des milieux euh, catholiques, plus traditionnalistes. C'est ça qui, qui nous frappe quand on étudie oui. la colonisation des années 30. C'est transpartisan. Absolument, parce que plus personne ne sait quoi faire. Bien, voilà. les, 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 les libéraux, mm -hmm. les adeptes du libéralisme économique, ont été laminés par la crise. Alors, euh, ceux qui bombaient le torse en disant que c'est le marché qui va être l'avenir des Canadiens français, bien, euh, ces fortunes, ces vents ces d'affaires sont littéralement ruinés. Et euh, ça sème la consternation. Et euh, plus personne ne voit de quelle façon on peut contrer le spectacle de cette prolétarisation massive. Il hein, ne faut pas oublier, là, les, les soupes populaires à Montréal, la, la misère dans les campagnes. Alors, euh, pendant euh, deux ans, à l'initiative de, des Jésuites de l'école sociale populaire, on va euh, mener des campagnes de euh, mobilisation, des conférences, euh, pour soutenir la recherche de voies de sortie. Et dans ces voies de sortie là, il va y avoir une proposition qui sera élaborée, qu'on appellera le programme de restauration sociale, qui est un programme très ambitieux. Fernand Dubon y verra le, 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 le brouillon euh, de la révolution, du programme de la révolution tranquille. Et à l'intérieur de ce programme de restauration sociale là, il y a un volet sur la colonisation pour éviter que les campagnes ne soient Totalement dévasté. Alors, la colonisation est d'abord un mouvement destiné à sauver la seule chose sur laquelle les Canadiens-Français ont encore un peu de contrôle, le sol et le milieu rural. Donc, euh, on va lancer ce plan de colonisation-là. C'est Irénée Iréné Vautrin, le ministre, euh, qui est un ministre montréalais d'ailleurs, euh, du comté de Saint-Jacques, qui va lancer ce plan-là. En faisant une opération aujourd'hui qu'on qualifierait de médiatiquement fumeuse, un, ré, un, un succès de propagande extraordinaire, il est invité à prendre la parole au congrès de colonisation qu'organisent euh, les jésuites et euh, les nationalistes sous les vides du devoir. Et euh, tout le monde s'attend à ce qu'ils viennent euh, faire un peu de rhétorique et lancer des phrases. Et. Vautrin s'est organisé pour que son allocution soit radiodiffusée. Il annonce, séance tenante, un plan de 10 millions de dollars pour la colonisation. Tout le monde est sidéré. Et euh, commence là euh, cette aventure de la dernière vague de la colonisation où le gouvernement de la province de Québec va formaliser ses liens avec l'Église et ce sera les aux sociétés diocésaines de colonisation de voir à encadrer l'ensemble du mouvement. Il y avait déjà, depuis quelques années, quelques sociétés diocésaines euh, qui avaient été fondées, notamment celle de la Société de colonisation de Sainte-Anne, provenant de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui était la faculté d'agriculture, la première en Amérique du Nord, euh, et qui avait visé euh, à euh, offrir aux jeunes qui ne pouvaient plus s'établir parce que les milieux étaient ruinés, qui ne pouvaient plus s'établir dans les terres du Bas-Saint-Laurent, la colonie de Roquemort, euh, mmh. près du, du lac Abitibi. Mmh. Alors donc, euh, on va lancer le mouvement de colonisation et c'est dans ce cadre-là que le père Doris lancette atterrit à Rochebeaucourt, mmh. parce que Rochebeaucourt est une paroisse de colonisation groupée, c'est-à-dire qu'on va offrir... Les lots à des contingents de colons. Plutôt que d'offrir de, des lots à des individus un par un isolés, on va les envoyer pour faire naître d'un coup sec, si on peut dire, euh, la paroisse. Mm -hmm. Alors, avant justement de poursuivre, disons, la, la vie de, de la lancette, faisons un petit pas de côté. J'ai évoqué tout à l'heure cette espèce d'utopie. Qu'il y avait dans le mouvement de colonisation, qui n'était pas nécessairement le même pour tout le monde, partagé par tout le monde. Mais peut-être que vous, pour, vous pourriez nous esquisser un peu les grandes lignes euh, et, et qui. Euh, alors, visiblement, dans le plan Gordon, on est dans une manœuvre technocratique euh, euh, d'urgence et puis on n'a pas beaucoup ouais. d'idées derrière ça. Mais disons, du curé la belge jusqu'aux années 30, pour faire court, comment, comment a évolué cette utopie ou comment elle s'est bon. euh, manifestée? Parce qu'on sent que, quand on écoute Horis Lalancette, qu'il y a profondément adhéré, il y a, il y a une forme ah, d'adhésion. Absolument. Donc, absolument. comment vous pourriez nous décrire Bien, en ça? En gros, il euh, y a plusieurs mouvements de colonisation euh, qui vont porter divers projets selon les périodes et selon les régions. Oui. Euh, essentiellement, la grande figure, celle qui aurait été mythifiée littéralement par Claude-Henri Grignon, c'est le curé Labelle. Mm -hmm. Bien, le curé Labelle euh, va euh, lancer le mouvement de colonisation des Laurentides, euh, encore une fois, euh, en réavissant à la terreur de l'époque, et cette terreur, c'est l'immigration massive des Canadiens français vers les États-Unis, mais la belle ne vise pas à rapatrier ces, ces immigrés-là, il vise à offrir une alternative pour les jeunes qui, au lieu d'aller s'éreinter dans les filatures de Woonsocket, pourraient devenir maîtres dans une euh, ferme euh, qui leur donnerait accès à une vie décente. Alors la belle va euh, être porteur d'un grand projet de développement économique. C'est un moderniste et c'est un progressiste euh, avoué, on que on n'oublie pas que c'est la belle qui a amené le chemin de fer dans les Laurentides, c'est la belle qui mène une opération pour levé du capital en Belgique pour financer le développement des colonies. Alors, dans cette vague-là, de cette première vague, disons des années 1875 à 85 à peu près, la Belle va euh, euh, faire naître des colonies qui vont se heurter à un obstacle absolument majeur, et c'est ce qui finira par l'amener en politique. Il va devenir sous-ministre de la colonisation à l'époque. La forêt est entièrement sous contrôle des lumber barons, donc des, 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 des chevaliers d'entreprise anglais. Et la loi est ainsi faite que un colon ne peut pas récolter le bois sur son propre lot. Il y a un droit pour trois ans qui est concédé à, au détenteur de la concession forestière pour passer avant le colon alors que évidemment ce bois là c'est le seul accès à du capital pour bâtir la maison, pour construire. Les... Alors ce mouvement là va s'essouffler, mais l'ambition de mettre la main sur la rente forestière comme instrument d'émancipation va traverser tous les mouvements de colonisation et on va voir apparaître ça euh, autour de Joliette, le, le développement de la naudière. Joliette s'appelait l'industrie. Ce n'est pas parce qu'on voulait tourner le dos au siècle. Mm -hmm. euh, et en Abitibi, il va y avoir euh, une première vague autour de 1912. Ça va donner la naissance d'Amos et de, de, de la première vague de, de paroisses qui va se, se diriger vers la Sarre, vers le nord. Euh, et à ce moment-là, on profite de l'ouverture du transcontinental. Et là, on est dans une colonisation qui est à, je dirais, à variante beaucoup plus libérale. Parce que euh, là, il y a encore la possibilité pour les colons d'accéder à du bois, contrairement, mm -hmm. parce que Label avait réussi à faire sauter cette clause absolument euh, euh, odieuse. Et euh, on va de 1912 à 1921, 22 à peu près assister à un essor parce qu'il va y avoir avec la guerre une demande importante pour le bois, pour les ressources naturelles, mais à ce moment-là, le discours est celui de on participe à la prospérité. Mais à partir de 1921, il va y avoir une récession terrible au lendemain de la guerre, et là, ces colonies-là vont s'enliser. Ça, ça va être euh, très très difficile. Et euh, c'est en 29, avec le crack que on va reprendre l'idée de la colonisation, mais cette fois-là en se disant, nous n'avons pas à pactiser avec le grand capital. Donc, il va y avoir une ambition pour mettre la main sur la rente forestière. Et comme la forêt est de compétence. Provinciale, comme elle appartient au gouvernement du Québec, bien, tous les progressistes de l'époque euh, qui, depuis le début des années 20, écrivaient sur les grandes fortunes euh, de ces compagnies euh, papetières qui euh, se développaient, vont dire bien, maintenant, il faut qu'on prenne la forêt pour générer une rente pour soutenir le peuplement. Et ça va donner lieu euh, à cette grande ambition de faire de la colonisation euh, un instrument pour mettre la main sur du capital. Et est-ce que qu'Esdras Mainville, rapidement, oui. est-ce Esdras Mainville, lui, a un peu aussi... Euh, ah, c'est le théoricien. C'est le théoricien, ah, le théoricien, de... théoricien absolument. Mainville va, euh, pendant 20 ans, travailler avec un acharnement absolument admirable à théoriser euh, l'économie politique de ce que pourrait être la colonisation en coopération, de ce que ça pourrait être que le développement des colonies en partageant la rente. Mmh. Donc, en, il va soutenir le développement euh, des coopératives forestières, et il va euh, pousser l'outrecuidance, et ce sera fatal pour le mouvement coopératif forestier, jusqu'à dire au gouvernement du Québec il n'y a pas de raison que les Canadiens français réunis en coopérative ne possèdent pas leur propre concession forestière et ne possèdent pas leur propre papetière. Justement. Alors, là, on revient à notre, à notre héros mmh. d'aujourd'hui, notre figure marquante, oui. plutôt. Euh, alors, Horace Lalancette, revenons là, essayons d'être le plus concret possible. C'est quoi, vous dites, il, il, il met la main sur un lot en 1949. 49. 49, et là, il, est, il se marie assez rapidement. Et, oui. Avec sa petite femme de 100 livres. Sa, sa petite femme de 100 livres, comme il l'appelle euh, <laughs> si, si amoureusement. C'est lui l'appelle comme oui, ça. Oui, et, et des fois aussi, il l'appelle sa femme personnelle. <rire> <Oui>. <rire> Alors, donnez-nous une idée. Euh, c'est quoi la vie d'un colon euh, qui La commence? vie, vie d'un colon, euh, à cette époque-là, c'est une vie de travail acharné d'une étoile à l'autre, littéralement. Et euh, au moment où il prend possession de son lot, ça se fait encore avec des instruments assez rudimentaires. Les programmes de colonisation sont euh, anémiques. On fournit un peu de matériaux, un peu de, de primes pour faciliter l'établissement. Donc, euh, première étape, il construit un camp en bois rond euh, mm. et avec l'espoir d'accumuler euh, assez d'argent pour finir par bâtir une maison. Euh, alors, il faut gagner de la terre parce que. Les lots de colonisation, ce n'est pas une distribution gratuite. Les colons doivent travailler pour les mériter. Les, les, les billets de location sont valides dans nos temps que le détenteur euh, fait, euh, je, il me semble que c'est trois ou quatre ans de défrichage par année minimum. Bon, alors ça, euh, il va commencer à le faire à bras, euh, un peu plus tard, euh, vers euh, le milieu des années 50. Là, le gouvernement du Québec euh, finit par arriver dans le siècle et il va euh, octroyer, et c'est un sujet de patronage euh, absolument intarissable chez les colons, il va octroyer des heures de bulldozer pour, là, Aider. cette fois-là, avancer. Bon. L'ennui, c'est que c'est une bonne solution qui va créer plus de problèmes qu'elle ne va en régler parce que en utilisant les bulldozers, on va remuer la, le sol et on va enfouir la matière organique si bien qu'on va réduire ah, la, la fertilité ah, du sol ah, et rendre encore plus difficile l'atteinte d'une euh, productivité ah, pour assurer la viabilité. Euh, ça n'empêche pas horace de travailler euh, d'arrache pied pour tirer quelque chose de son sol. il euh, ambitionne de faire un producteur laitier de lui-même, le projet est familial parce que l'aventure de la colonisation, c'est impossible pour un homme seul. C'est un couple, c'est un, un projet de famille. D'ailleurs, il avait fait construire 11 appartements dans sa maison. Oui, il oui. voulait avoir une grande famille, mais il n'en aura que deux. Oui, voilà, mais c'est un homme qui avait de l'ambition <laughs> euh, oui. euh, et euh, qui, qui voyait les choses en grand euh, et qui va euh, se retrouver... Euh, avec un projet de royaume qui est prisonnier de ces conditions d'émergence. c'est-à-dire qu'il euh, n'est pas plus riche qu'il était, même après avoir défriché sa terre. Donc, pour être capable de capitaliser sur son entreprise pour en faire une ferme, euh, il va faire 36 métiers à l'extérieur de la ferme. Bah ben oui, pour accéder à du capital, euh, pour euh, mettre euh, sa ferme euh, aux normes normes qui évoluent très rapidement parce que l'agriculture québécoise, euh, au lendemain de la guerre, prend euh, carrément son virage marchand. Donc là, il faut modifier la superficie des lots, il faut plus de bâtiments, plus de pâturages, plus un troupeau plus grand, etc. Alors tout ça exige beaucoup de capitaux qui ne sont pas à la portée de ces colons-là qui avaient été recrutés sur un modèle d'agriculture vivrière, hein, et euh, qui vont être confrontés soit à une vie de forçat, littéralement, ou à du travail à l'extérieur. Donc les colonies, dans les années 50, vont rapidement connaître la, des mouvements de désaffection, parce que beaucoup de gens vont littéralement se décourager de ces conditions-là. Et ça ne sera pas des caprices. C'est pas parce qu'ils sont fainéants, c'est parce qu'ils sont coincés dans une logique économique euh, qui est euh, simple à comprendre. L'écart entre les revenus des colons et ceux des mineurs au milieu des années 50 est 300 Alors évidemment, les, les, euh, les jeunes en particulier vont délaisser rapidement l'agriculture pour aller vers vers les mines ou vers l'industrie forestière, plutôt que de vivre dans ce double emploi qui, soit dit en passant, est un triple emploi pour les femmes parce qu'en plus de travailler pour aller chercher du numéraire, elles font aussi euh, l'ordinaire, comme on disait. Oui. Alors, c'est oui. beaucoup de boulot. Et, et elles sont souvent seules parce que là, souvent, c'est euh, ah, travailler absolument. à la mine, oui. loin de la maison, donc rester là toute la semaine, oui. ou travailler dans des camps de bûcherons. Tout à fait. Encore là, restez là toute la ouais. semaine. Dans le, dans le documentaire « Bienvenue dans le royaume », il y en a qui, qui vont à la baie James, partent pour six mois. Donc, oui. la femme est littéralement ah, ce, toute seule. Les, les, les c'est les femmes qui les ont tenues. C'est ça. Ça, clairement. Euh, pendant, euh, alors, le, le, ce, ce, cette division-là du travail était d'une ingratitude absolue, on le comprend. Mm -hmm. et, euh, et ça posait très rapidement le, au moment où la les standards de vie et la société de consommation commencent à se développer avec… les. on est dans les 30 glorieuses. Bien, oui, ben oui. ben là, évidemment, ça va être des dilemmes qui vont être très cruellement vécus dans les ménages. Euh, Est-ce qu'on achète un frigo euh, ou on investit, on achète un autre veau ou on fait de la clôture? C'est prosaïque comme ça. Alors, on peut comprendre aussi que beaucoup de gens… et Horace, là-dessus était euh, extrêmement compréhensif mm. de cette dynamique-là et euh, on le voit bien dans dans, dans un des films c'est dans un royaume mousaientant euh, quand il discute avec un, un, un compatriote qui lui va déménager sa maison euh, il ne le blâme pas ne le condamne pas mm. il le comprend il ne partage pas son choix mm. mais il ne va pas dénigrer mm. ceux au fond que cette logique économique impitoyable va broyer. Oui, ouais. absolument. Broyer, ouais. c'est le bon mot. Ouais. Ce, qui, ce qui fait que, finalement, au moment où il commence son grand projet, sa grande aventure de sa vie de, de développer son royaume, si on reprend ces mots, il arrive. C'est comme s'il y a un problème de, de coïncidence, de date. Il arrive au mauvais moment. Ah ben oui, il arrive absolument. au moment où ce genre de projet-là, avec l'agriculture marchande, il faut s'acheter des tracteurs, il faut, faut acheter de l'infrastructure, c'est juste. C'est impossible. La colonisation en 1949, c'est un brevet mort-né. Lui ne le sait pas encore. Ben non, Mais nous, avec le recul, nous ça. savons que tous les déterminants du succès d'une entreprise de peuplement et d'expansion territoriale sont manquants. Le gouvernement de la province n'a pas fait ce qu'il fallait. Euh, certains diront parce que de toute manière, il n'en avait pas les finances. Ce sera le combat de Maurice Duplessis. Mais le fait est que les infrastructures qui auraient rendu possible cette conversion et facilité cette adaptation n'étaient pas réunies. On n'a qu'à penser l'électrification des campagnes, qui a fait les belles heures des campagnes électorales, y compris de Réal-Cawet. Oui. Euh, euh, il n'y a pas non plus euh, d'école digne de ce nom. Euh, la voirie est déficiente. Euh, L'ensemble des services publics... Euh, ne suivent pas. Alors, ça rend le travail des individus encore plus difficile. Duplessis se targuait d'avoir mis en place le crédit agricole. Est-ce que le crédit agricole aurait pu, pu aider ces, ces colons? Oui, mais encore une ah, fois, c'était trop peu, trop tard, ça, avec ça. trop peu de moyens, ouais. et euh, ça ne, euh, ne réglait pas le problème des infrastructures collectives. Exact, exact. Ça soutenait ça. un individu qui. Euh, avait la volonté, l'énergie euh, et, et le, le projet de développer sa ferme, euh, mais pour la solution qu'on qu disait à l'époque de la classe agricole, c'était pas une réponse Exactement. adéquate. Ça favorisait ceux qui avaient déjà amorcé le virage marchand. Très bien. Alors on arrive dans les années 60. Les révolutions. Une chose dont on sur laquelle on s'entend tous, c'est que les révolutionnaires tranquilles avaient une foi euh, avait vraiment presque une foi religieuse dans l'État, mais au sens d'une planification rationnelle oui. de la société par un oui. État. Et même Monsieur Parizeau le reconnaissait, comme vous avez bien connu, oui. il le reconnut à la fin de, de sa vie, que ça avait peut-être été un peu trop parfois du haut vers le bas. Oui. Euh, <laughs> Alors, les Révolutionnaires tranquilles vont avoir, d'ailleurs, des projets de réaménagement du territoire. Ils vont faire un espèce de projet pilote dans le Bas-Saint-Laurent. Oui. racontez-nous un peu Bien, ce, en gros, cet épisode-là, parce la, que la, la ça va s'en venir à l'habitude. Absolument. La Révolution tranquille, c'est une histoire de rupture, ouais. d'une rupture avec euh, beaucoup d'aspects du passé canadien-français, mais en particulier d'une rupture avec ce qui avait, depuis deux siècles, présidé à l'expansion territoriale. Euh, le modèle d'occupation du territoire qui avait été porté jusqu'à la dernière vague de colonisation n'est pas repris par les, les aménagistes et les planificateurs, qui, eux, sont euh, des Keynésiens de stricte obédience et euh, qui sont aussi antifaits d'une théorie économique qui va faire beaucoup de dégâts partout sur le territoire, au Bassin-Laurent d'abord, mais aussi en... En Abitibé, en Gaspésie, au, au nord du lac Saint-Vent, c'est la théorie des pôles de croissance. Les aménavistes disent que la population est trop éparpillée. C'est ça. Alors, il faut la concentrer dans quelques centres urbains pour d'abord rendre une demande solvable. Il va y avoir une masse critique de citoyens, de consommateurs, et ça va fournir des bassins de main-d'œuvre. Alors, la solution, c'est non pas d'investir. Dans le prolongement et la rénovation du modèle d'occupation du territoire qui était déployé mais qui était en train d'agoniser, mais ce sera plutôt de dire pour soulager la pauvreté, déménageons les pauvres. C'est ça. Okay? ça. Et là, on va euh, lancer des opérations de fermeture de villages. Des, des sommes. Phénoménal va être englouti dans des rapports, dans des. Ah, absolument. Ce sera la création du Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Ouais. Et il y aura un peu un équivalent d'une commission de l'Office de la planification de hum. développement pour l'Abitibi. Hum. Ce qui va se passer, ces propositions de fermeture vont susciter l'indignation et des mouvements de résistance populaire très forts. Au bassin saint Laurent, ce sera les opérations dignité qu'on aura appelées, où les curés et les, les militants de l'UCC, l'Union des cultivateurs catholiques, vont dire non, il euh, y a du potentiel ici. Donnez-nous les moyens de le réaliser. Et parmi ce potentiel-là, on va revenir toujours à la même affaire. On est en train de crever au milieu d'une richesse fabuleuse de la forêt boréale. On n'a pas accès à la rente forestière. L'argent sort. Tout ce qui nous est dévolu, c'est les mauvaises gages pour les bûcherons, essentiellement. En Abitibi, le mouvement va connaître la même intensité, mais il n'aura pas de fermeture unilatérale. Au Bas-Saint-Laurent, on va fermer des villages. Oui, c'est comme on si même... on avait peut-être appris de nos erreurs puis ça faisait, euh, de... oui, ça faisait une mauvaise presse. Absolument. Aussi. Oui. Euh, la la ça va être plus gesti... subtil, on dirait. Oui, la hein? gestion technocratique ça a été de dire, n'opposons pas de résistance, laissons-les mourir, tout ah, simplement. C ça, et c'est voilà. ce qui va se passer. Euh, le mouvement des paroisses marginales, auquel Horis va beaucoup contribuer, euh, parce que dans chacun de ces villages-là, décrétés, condamnés à la fermeture, les citoyens vont s'organiser, vont former des comités, vont, il va y avoir des dizaines et des dizaines d'heures consacrées chaque mois, chaque mois à l'étude de projets de relance de l'économie de, de leur village. Euh, ces projets-là vont donner lieu à l'élaboration de plans, des, des plans pour une forêt communautaire, euh, euh, une réserve cantonale, euh, des projets de, de bleu-étière collective, des projets de diversification de l'économie du village, parce qu'on sait que ceux qui détèlent, comme on disait, ceux qui quittent, L'agriculture, la, ben, on ne veut pas qu'ils quittent la collectivité, on veut leur créer mm -hmm. d'autres opportunités, mm -hmm. d'autres occasions de, et de, de, des avenues de, de métiers pour gagner leur vie. Alors, euh, toujours, ça va tourner d'abord autour de la forêt. Et euh, ces mouvements-là vont être euh, extrêmement vivants, très créatifs. D'ailleurs, c'est euh, dans les mouvements euh, de paroisse marginale qu'on va entendre parler d'une notion que les aménagistes vont utiliser par après, celle de la gestion intégrée des ressources, parce que ces, ces, ces comités-là réalisent bien tout le potentiel du milieu, mais n'en contrôlent pas les leviers. Ils sont dans la logique de la dépossession. Alors, les euh, planificateurs vont plutôt euh, euh, opposer des fins de non-recevoir, plan après plan, et ils vont euh, user littéralement la bonne volonté et la mobilisation en multipliant les mesures dilatoires, en lançant des petits projets pilotes, en promettant une réponse euh, tardive à telle proposition, telle autre, si bien que, en quelques années à peine, euh, le mouvement va s'effondrer et la, la, la démographie va être impitoyable. Mm. Si on prend Guyenne, par exemple, puis ce sera la même chose à, à, à Rocheboucauld, au moins brutalement, mais euh, avec le même résultat, Guyenne va perdre 40 de sa population en deux ans. Deux ans? En deux ans, absolument. Et en Abitibi, euh, plus qu'au Bas-Saint-Laurent, d'ailleurs, quand on dételle, on part avec sa maison. Ben oui. Alors, le ben oui. village... On voit les images oui, dans... absolument. On déménage les maisons. On déménage Donc, la maison. Là, c'est le parc immobilier qui, s'enfuyant, compromet encore davantage la possibilité de relance parce que, là, le même problème revient. Quelqu'un qui voudrait s'installer, ben, il n'y a plus de maison, il a pas de okay. service, ben, etc. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, le... Oris va euh, participer très activement à ces, à ces mouvements-là euh, dans un contexte où euh, à beaucoup et dans les villages avoisinants, à La Morandière, les chocs démographiques vont être euh, considérables. La Morandière va perdre euh, 1 000 habitants en hein, l'espace de huit euh, ans, je pense. Mm -hmm. euh, alors, ce que ça va faire, c'est qu'il va se trouver de plus en plus isolé mm -hmm. sur son royaume mm -hmm. et se trouver dans une situation où euh, ça va être de plus en plus exigeant pour lui pour construire. Euh, un projet dont l'environnement va être déstructuré. C'est ça. Alors, parlons peut-être du cheminement politique euh, au sens classique de Horace Lalancette. Euh, Il vient de… donc, c'est l'Abitibi et on sait que l'Abitibi a été le berceau du créditisme au Québec, en oui. tout cas. Euh, au Canada anglais, ça a été l'Alberta, mais au Québec, ça a été oui. l'Abitibi. Qu quel a été son rapport avec ce mouvement qui était justement un mouvement qui se voulait euh, populaire, même certains diraient populiste. C'était la voie là, pour les, les humbles, les gens comme Horace Lalancette. Oui, bien, essentiellement, c'est un mouvement de protestation, oui, le, le créditisme. Un mouvement de protestation qui est nourri et alimenté par la détérioration à l'œil nu de la condition de ces populations rurales-là, que euh, Réal-Cahouette va euh, organiser, auquel il va donner un discours et offrir un exutoire, parce que les problèmes de ces colons-là, les problèmes de cette population marginalisée-là, ne, ne trouvent pas écho dans le discours des grands partis. Mm -hmm. Alors, euh, c'est d'abord le volet protestation qui prend ça. le dessus, et euh, Horis, qui est euh, d'une intelligence remarquable et qui comprend bien... La logique qui est en train de se déployer, évidemment, va voir dans ce, ce véhicule-là euh, le moyen de faire suivre sa protestation, et il va penser, pendant, comme beaucoup d'autres, pendant un certain temps, que ça pourrait permettre de redresser les problèmes structurels que sont précisément les déficits d'infrastructure. Euh, l'absence la, de planification rigoureuse, mais centrée sur la, 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 la survie des villages et leur développement et non pas leur éradication. Et euh, il va connaître son chemin de Damas, si on peut mm -hmm. dire, son chemin de Rochebourg. Vous vite voir quoi les limites, peut-être. Oui, peut tout à fait, qu'il va éprouver parce que c'est pas un homme à lamentation, c'est un homme d'action, c'est quelqu'un qui veut que la mobilisation portent sur des enjeux concrets et qu'elles servent à transformer le monde. Ça. Alors, il va euh, changer euh, et avoir euh, un… pas une illumination, mais ça va être… Ça, ça une va conversion, certain, pour ça, dire. Oui, ça va certainement être un moment important pour lui que le débat sur la nationalisation de l'électricité, ah, oui. euh, qui, on se rappelle, euh, avait donné lieu à la démonisation… De René Lévesque et des communistes qui voulaient mm. que, donner le contrôle à l'État sur euh, cette ressource euh, stratégique. Et là, il va faire une convergence. Il va comprendre et assumer que son royaume personnel doit converger avec le royaume collectif, mm. que l'un ne peut pas se réaliser sans l'autre. Alors, c'est quelqu'un qui va dire l'autonomie du colon, de l'agriculteur éventuel, va passer par l'autonomie collective. Euh, L'État, c'est un instrument qu'on doit mettre au service de notre royaume, qui va dire. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors, il va, à ce moment-là, euh, devenir un ardent militant du Parti québécois, dont il sera éventuellement candidat. En 1973, oui, c'est ça? Tout à fait. Mm -hmm. euh, avec les résultats qu'on sait, en 1973… Euh, le PQ n'a que sept députés, bon, tout ça. Mais euh, ce, ce passage en politique euh, correspond aussi à euh, une remise en question importante de son projet personnel. Parce que jusque-là, Horis est orienté sur le projet de faire une ferme laitière. Mm -hmm. Il veut, euh, il est producteur laitier, mais ça arrive au moment, alors c'est manque de peau. Euh, ça arrive au moment où la Commission canadienne du lait réorganise l'industrie laitière. C'est le moment où euh, on va désaisonnaliser la production, on va organiser des, les quotas, les fameux quotas et la gestion de l'offre dont, mm -hmm. dont on parle encore aujourd'hui. Alors là, en plus, il est isolé dans un milieu qui est en voie de dévitalisation. Le transport pour son lait, ça devient problématique. Il n'y a pas la masse critique. Alors là, en 1973, c'est la période où il est confronté à des changements structurels dans l'économie laitière, de mm -hmm. l'industrie laitière, et euh, il va se retrouver, encore une fois, prisonnier de sa marginalité. Mm -hmm. Il est trop loin pour euh, le transport du lait et il y a trop d'investissements à faire, de toute manière, pour satisfaire les nouvelles normes. Mm -hmm. Il va entreprendre de convertir son troupeau laitier en troupeau bovin pour la boucherie mais encore une fois il va le faire avec euh, toujours une trop grande modestie de moyens ça va devoir être compensé encore par du travail à l'extérieur de la ferme et par des heures et des heures de travail pour euh, finir euh, par rentabiliser son exploitation alors est-ce qu'il va, il va, il va, est qu va poursuivre ce combat militant jusqu'à la fin de sa vie, où il va mener un peu lancer la serviette? Ah non, c'est tout le contraire d'un homme résigné. Arrive? Au contraire, ce qu'il voit en train de se dérouler sous ses yeux, c'est pour lui la preuve, à contrario, que son modèle est bon, parce qu'il voit bien que la destruction, la déconstruction du modèle de peuplement et d'occupation du territoire ne se traduit pas par une amélioration de la prospérité globale des personnes et voit bien que au contraire cette déconstruction là euh, va aller dans le sens contraire de ce que lui a toujours vu dans la colonisation, c'est-à-dire le, mo le moyen d'établir la petite production autonome et il va adhérer, lui, depuis euh, euh, ses tout débuts, à cette idée à laquelle l'Union des cultivateurs catholiques se cramponne pour négocier le virage marchand, c'est cette idée de, du propriétaire exploitant. C'est encore le modèle d'agriculture qui prévaut au Québec aujourd'hui. Mais ce modèle-là, lui, voit bien que si les moyens ne sont pas utiliser pour le conforter dans une économie récente comme celle de la BTP, parce que ça va faire, ça va livrer tout cet effort collectif là à la friche et à la convoitise des spéculateurs de tout acabit, puisque ces terres là euh, ne resteront pas sans propriétaires, mais ce ne sera plus des propriétaires exploitants mmh. et ça risque d'être des financiers qui pourront éventuellement utiliser ce territoire-là pour faire de la production agricole, mais une production agricole intégrée totalement dans l'économie spéculative mmh. plutôt que dans la construction du milieu. Est-ce que ses enfants ont pris la relève? Et il en a eu deux avec sa femme. Oui, euh, un garçon et une fille. Euh, sa fille a été dans l'enseignement. Elle était, je crois, jusqu aux dernières nouvelles, elle a fait carrière euh, à l'école de la Morandière, je crois. C'est mmh. là que vous l'ai vu la dernière fois, en tout cas. Euh, et euh, son fils, Danny, euh, a pris en charge la ferme jusqu'à jusqu aujourd'hui encore. Mmh. Euh, et il a accompagné ses parents. Euh, Horis disait Moi, je vais sortir d'ici les pieds de vent. Et ça a été Alors, le cas. Ça a été le cas. Ah, ça oui. été le cas et euh, sa, sa, sa petite femme de 100 livres <laughs> euh, est, euh, est, est morte une année, une année oui. et demie euh, plus tard. Euh, mais ils ont, ils euh, ils sont, euh, ils ont de ce point de vue-là, réalisé leur projet de vie. Absolument. Oui. Euh, euh, avant de, de conclure, euh, quand s'est euh, quand fait cette fameuse rencontre entre Horis Lalancette et Pierre Perrault Qu'est-ce qu'on sait de ça, de cette rencontre ah, euh, Essentiellement, euh, euh, Perrault est, est littéralement subjugué euh, par euh, Horis, euh, chez qui il trouve à la fois euh, une soif de liberté vraiment peu commune, une indépendance d'esprit tournée vers la souveraineté, vers euh, le plein contrôle de sa vie et de celui de, 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 du destin collectif. Et évidemment aussi, chez Perrault, c'est jamais loin, il est séduit complètement par la verve extraordinaire de Horace Lalancette, qui euh, est l'équivalent habitibien des Choineux de Charlevoix, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de nommer le monde avec une capacité d'enchantement qui reste enracinée dans les conditions concrètes d'existence. Et ça, pour Pierre Perrault, qui a traqué le réel sous tous les angles, c'était véritablement euh, une rencontre absolument exceptionnelle. Et cette rencontre-là, euh, Perrault l'a fait au moment où il cherche à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la rhétorique épique, ou pseudo-épique, du prophète de l'Abbé James. Et ce qu'il va trouver là, évidemment, ce ne sera pas le discours des technocrates de la Société d'énergie de la Baie-James, ça va être le discours des colons, qui est particulièrement Doris, qui est un très bon analyste d'économie politique, qui dit « ce projet-là va nous passer par-dessus la tête, ce n'est pas nous qui allons nourrir les chantiers, ce n'est pas nous qui allons euh, apporter la machinerie euh, » on va s'enfoncer dans un développement dépendant. c'est la critique qu'il va faire. et euh, pour perrault, c'est une démonstration qui est d'autant plus éloquente que elle est faite dans la condition commune, dans les villages, dans des rencontres auxquelles horace participe avec euh, aussi d'autres rencontres dans chacun de ces villages là euh, où le, 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 le tournage s'est fait. c'est des comités il y, y a des dizaines d'horistes, pas autant flamboyants, mais aussi aguerris, aussi aiguisés dans la lecture de leurs conditions, mais ils sont isolés. Ils sont isolés parce que les élites urbaines qui montent tournent le dos à cet euh, échec collectif. La pauvreté est visible partout. C'est n'est pas attrayant. C'est les Trente Glorieuses. C'est les c'est l'époque où euh, l'arrivée d'un mec d'eau fait la manchette dans le journal. Là, hein? oui. euh, les, les petites villes sont contentes d'être du côté du progrès et où on répète arrive en ville. Oui, tout à fait, <laughs> tout à fait. <laughs> pour et, dire aux gens, hein, allume. <laughs> oui. Et ça va être assez curieusement, mais ça s'explique, un retournement qui est, euh, va être très souffrant pour ceux qui l'ont vécu, qui, a, qui va rester une brûlure pour Pierre Perrault, c'est que Colon est devenu une injure. Exact. Alors qu'il s'agissait euh, essentiellement d'une entreprise, d'une grande noblesse, portée par des gens qui n'étaient pas dans les grands salons. là Et pour Perrault, euh, et pour beaucoup d'autres, moi y compris, euh, il s'agit au contraire d'une force extraordinaire qui traverse toute notre histoire, portée par, par des gueux, par des dépossédés. Qui ont refusé de baisser les bras et qui ont essayé et qui ont été, il faut bien le dire, euh, sans appui de la part de, euh, de, du demi-État québécois et de la part aussi d'une partie des élites régionales. Euh, et ça, c'est cuisant comme euh, situation. Robert Laplante, merci beaucoup pour, pour cet entretien. entretien.